Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Chopard, je viens de Neuchâtel et je suis attaché au golf club de Villiauve. Pour la saison 2011, j'ai une catégorie sur le Sunshine Tour et à partir de la période actuelle qui est le mois de mai-juin, je vais jouer un petit peu des tournois sur le Challenge Tour et en Suisse. Alors je vais vous parler de mon point clé par rapport au driving. J'essaye de rester le plus en équilibre possible à la fin du mouvement. Je pense que pour prendre un bon exemple actuel, on peut prendre le swing de Rory McIlroy et on verra que sur son finish, il reste en parfait équilibre. Donc pour moi, c'est l'image que j'essaie de garder et que j'essaie d'utiliser sur le parcours. Alors en pratique, il m'arrive que sur le parcours, en ayant tapé un drive sur un par 5, en essayant de chercher un petit peu de distance, je remarque que je tombe un petit peu en arrière et que je ne suis vraiment pas en équilibre. Donc ce que j'essaye vraiment, c'est de pouvoir jauger un peu cette agressivité, mais tout le temps en équilibre. Donc ça, c'est vraiment le point clé pour moi. C'est que si je commence à voir que sur le parcours, je pars en arrière, ou en avant, c'est que j'essaie de taper la balle trop loin, trop fort, et puis je perds en qualité et surtout en précision. Donc l'équilibre avant tout. Alors après ces deux trois petites explications, je vous conseille d'essayer sur le parcours de penser à cet équilibre et vous verrez, à mon avis, vous driverez beaucoup plus droit et beaucoup plus long.